su qu'on va se quitter, la surprise de Maïté et Micheline pour ceux qui n'ont pas trop de temps finalement entre midi et deux pour manger un petit encas quand même consistant. Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle, inédite. Une recette que vous ne trouverez dans aucun livre de cuisine, ça je vous le promets. Même pas dans que vous ne verrez pas faire souvent, non. Que vous ne mangerez peut-être pas très souvent non plus. Qu'est-ce que c'est au fond, Maïté, que vous allez nous faire? Eh bien, je vais faire un hamburger riolé, parce qu'on n'est pas à Lyon, ici on est à Lyon. Comme on fait ici. Comme vous le faites chez vous. Voilà. Alors Maïté, que faut-il pour faire cette recette? Pas grand-chose. Un petit pain de campagne en moyen, il y a plus gros, voilà, qu'on coupe en deux. Oui. Voilà, la couleur jolie, c'est ce qu'il faut. Après, là-dessus, j'y mets quelques petites feuilles de salade, des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Et on referme le couvercle et on mange. Ça, c'est le hamburger qui prouve la belle santé des Landais. Exactement, hein, exactement. Alors, montrez-nous ça. Là, j'ai fait revenir mon foie gras, mes magrets. Les gésiers avant qu'on a déjà installé sur de la jolie salade. Ça va de soi, et puis de salade. Alors, vous allez nous disposer tout ça très bien. On va disposer comme ça. Oh, c'est facile, c'est pas... Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Ça nourrit. Ça nourrit son homme, hein. Bien sûr. Voilà, voilà. C'est pas difficile. Alors, un étage de magrets. Mais c'est pas difficile, hein. C'est un petit mamout. Non, c'est pas... On a voilà, tout simplement... Je veux, comme on dit ici. Le plus simplement du monde. Là, il en reste un petit, là. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va mettre le foie gras par-dessus encore. Le foie gras, voilà. On ne va pas dire que ce soit nourrissant, mais c'est pas mauvais. Voilà, mon petit. Bon, là. Et un petit couvercle par là-dessus. À nous, le bonhomme. C'est ça que vous donnez au petit déjeuner à Pierrot, tous les jours? À la gamelle. À la gamelle. Et puis, il emporte ça sur son travail. Oui. Bon, maman, vous savez, je vous ai apporté celui de Bordeaux, comme ça vous aurez le choix. Sainte Vierge Marie. Voilà. C'est les malades qui m'ont tout ça. Et bien, vous aussi, vous aurez le choix maintenant. Le hamburger classique, traditionnel, le modèle du genre, ne riez pas trop. Et Sainte le Vierge hamburger Marie. De Maïté, de Rion des Landes. Faut avoir tué père et mère pour avaler ça. Et bien, après ça, nous espérons que vous allez quand même passer une bonne soirée pour cette 100e de la cuisine des Mousquetaires. Nous avons ri, nous rions souvent, mais vous avez vu que Maïté, quand il faut faire la cuisine très très bien, elle rit, mais elle la fait bien. On vous en souhaite autant. Et puis on sera toujours heureux de vous retrouver pour d'autres émissions que nous espérons continuer longtemps en dialogue avec vous. Bonsoir, à bientôt. Bonsoir et à bientôt, je vous souhaite.